Salut le gars, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la chaîne Visu Plus Haut. Pour aujourd'hui, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne et je prépare un sujet pour vous aujourd'hui. Je vous parle de la Casa de Papel saison 4. Je vais vous proposer mes critiques. Au fait, moi je vais vous parler de trois scènes complètement inutiles dans la quatrième saison, et vous allez être sûr, ce que je suis sûr, je suis sûr que beaucoup de gens ont aimé la quatrième saison, et même moi aussi j'en fais partie, mais il y a certains des scènes qui ne m'ont pas vraiment plu, et je vais vous faire même part de ces scènes-là. Parlons en premier concernant l'opération de Nairobi quand il était quand elle était opérée quand elle subissait l'opération. Vous allez voir constater qu'à un certain moment, juste à la fin de la première épisode, la connexion était coupée et par les informaticiens du côté de la police. Mais Tokyo et la bande des gens là qui faisaient l'opération, ils étaient à un moment tellement crucial de l'opération. Avec ils étaient en communication avec les docteurs au niveau de l'extérieur. Mais si vous voyez bien, le docteur avait dit qu'ils arrivent maintenant à un moment tellement critique, à un moment très important de l'opération, mais la connexion était coupée. Et maintenant, la question que moi je me demande, c'est quoi l'impact négatif sur la coupure de la connexion Internet. Moi, je me préparais comme impact négatif que Nairobi soit morte parce que Tokyo n'a pas les compétences nécessaires à exécuter une opération de ce genre. Ou bien, je m'attendais à une autre possibilité dans les épisodes précédents, à ce que le professeur cherche un autre moyen de faire opérer Nairobi par un autre docteur, ou bien trouver un docteur parmi les otages, ou bien une autre chose pour justifier au moins cette opération-là de Nairobi. Sinon, moi, j'ai trouvé que ils ont essayé de nous cacher quelque chose. Ils n'ont pas, ils ont manqué comment justifier la coupure de la connexion Internet, ou bien la suite de l'opération concernant l'opération là de Nairobi. En fait, ça c'est premièrement. En deuxième lieu, je vous parle maintenant de du scène concernant la mort. C'est toujours la mort de Nairobi quand elle a été tuée par le chargé là de sécurité du gouverneur. J'ignore son nom jusqu'à ce moment. Bon, c'est parce qu'il était toujours appelé et chargé de sécurité du gouvernement. C'est pour cela que moi aussi j'ai gardé là dans sa tête, je ne sais pas les noms. Bon, disons que le monsieur vient de tirer justement au milieu du visage de Nairobi. Et là, il y avait plus de 4 tireurs dans une zone complètement dégagée. Imagine, il y avait Denver. Il y avait Monica, ils étaient au moins quatre. Ils étaient là et ils ont tiré, tous les quatre, tiré sur le monsieur là, le chargé là de sécurité du gouverneur. Mais personne, aucun balle n'a parvenu à l'atteindre. Ça veut dire quoi ça? Dans un endroit tellement dégagé comme ça, dans une salle comme ça, ils ont tiré en désordre et aucun d'eux n'a réussi à atteindre ni le pied, ni rien. Vraiment, ça c'était complètement de ma part inutile. C'était ce scène-là ne devrait même pas exister. Sinon, c'est là où. Là même où le mec là devrait mourir, le monsieur là chargé là de sécurité du gouvernement, c'est là où il devrait mourir parce que c'est impossible d'échapper à tout ce tir-là. Et genre, il a fait seulement. Bon, en fait, moi je suis pas militaire, je ne sais pas comment les militaires font pour échapper aux balles, mais il n'a fait qu'un seul shit parmi
dans tout ce parcours-là. Pourtant, c'était vraiment une longue distance. Moi, je me suis demandé vraiment comment est-ce possible que ces gens-là n'ont pas pu tuer le méchant là sur la scène. L'autre scène qui m'a vraiment encore paru inutile et très inutile, alors très très inutile, c'est les funérailles de Nairobi. Imaginez-vous, les amis, le funérailles de Nairobi. Ce sont les chargés de sécurité du gouverneur de la banque qui ont pris le cercueil là. Ils ont sorti avec le cercueil dans la banque. Et où sont-ils allés? À qui ont-ils livré le cadavre de Nairobi? Vous voyez ces questions-là. Donc, en fait, la scène, c'était là pour nous distraire seulement, pour créer je ne sais rien dans nos cœurs, pour faire parler nos sentiments, retenir nos souffles. Mais ça ne disait absolument rien. Absolument rien. C'est pour cela, bon, moi, je regarde d'une autre œil ce genre de scène. Je regarde vraiment, je regarde d'une autre œil. Parce que ce n'est pas explicatif. Normalement, il devrait nous expliquer. Il devrait nous dire après où est parti le corps de Nairobi, à qui ils ont livré ce corps-là. Ou bien, si ce n'était que le mensonge, il devrait nous dire que c'était peut-être seulement le mensonge, et là, on aurait dû comprendre. Mais qu'ils arrêtent de nous faire ce genre de choses dans la cinquième saison, si ils vont au moins faire la cinquième saison. Bon, en fait, mais aussi, il y a un truc, une autre scène que je ne. Bon, en fait, je ne l'ai pas classée parmi les scènes complètement inutiles, mais ce n'est pas une scène aussi tellement utile. C'est maintenant le moment où. Le moment où Lisbonne fait son entrée dans la banque. Bon, ils ont voulu, donc là, ils ont mis un peu de pression. Et nous aussi, nous avons cru que le monsieur là qui dirigeait la police, le colonel, là, j'oublie le nom du colonel, qu'il était tellement pris par beaucoup de choses, il devrait régler beaucoup de problèmes. Il ne parvenait pas à contrôler ses émotions. Et du coup, vous avez vu que il les arrêtait et il donnait les instructions pour aller se sauver les mecs, là, les chargés là du gouverneur, mais il ne savait pas qui était dans l'avion. Donc, vous allez voir qu'il y avait une faille complètement dans son administration et que même quand l'expertise rentrait pour aller. Et quand elle avait déjà arrivé sur le toit et qu'elle poussait les touristes pour qu'ils battaient en retraite, là quand même il aurait dû découvrir que ce n'était que des mascarades, et il pourrait peut-être ordonner à ces snipers-là de tirer sur le Lisbonne ou bien Denver, ou bien sur l'hélicoptère, parce qu'il aurait dû découvrir après que l'hélicoptère n'était pas pour lui, ou pour ses agents, disons. Je suis vraiment ravi d'avoir fait ce tutoriel pour vous. Alors, qu'est-ce que je vous demande? Aimez la vidéo, partagez-la. Si vous voulez bien, partagez la vidéo. Et vous pouvez laisser une question en commentaire si vous voulez me compléter, ou si vous voulez ajouter autre chose, vous pouvez toujours écrire dans le commentaire. Sinon, je suis tellement désolé. J'ai eu beaucoup de demandes ces derniers temps à propos de téléchargement de certains films. Ces derniers temps, j'étais beaucoup plus irrégulier. J'en suis désolé. Mais je vais faire ce tutoriel et je vais vous montrer. Ne vous inquiétez pas comment trouver ces films et vous serez tellement heureux. Merci, ciao, à plus.